Bonsoir soldat, le Seigneur Yehoshua est trop fort. Nous sommes dépassés ici. Là, on vient de recevoir un témoignage là ce soir qui nous bouscule, frère. Yehoshua, Yahweh Rapha, frère, puissant guerrier. Il y a une sœur là, il y a une sœur avec qui on était ici en Afrique du Sud, qui était partie au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est en Afrique du Sud en décembre. Le docteur ici avait détecté, un docteur avait détecté qu'elle avait les fibromes. Et ça grandissait, parce qu'elle avait fait plusieurs tests. Tu vois, ça grandissait. Ça avait d'abord la taille de la pièce du monnaie. Après, ça augmentait jusqu'à ce qu'ils avaient détecté que c'était presque la taille du main. Ils ont dit qu'il faut qu'elle passe par l'opération. OK? Elle est partie au Congo, comme elle avait une mission de service là-bas, elle est partie au Congo. Elle a eu quelques malaises même au travail. On est parti à l'hôpital avec elle. Les docteurs congolais ont dit que, oh, là, tu dois faire l'opération. Et quand l'apôtre Chora était au Congo le mois passé, là, en juillet, là, et l'apôtre avait demandé, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Elle a que le Seigneur vraiment puisse me guérir. L'apôtre a prié simplement comme ça, là. Et maintenant, elle est rentrée en Afrique du Sud la semaine passée. Elle est repartie voir le même docteur qui avait diagnostiqué les fibromes. Il cherche les fibromes. Les fibromes ont pris les bagages. Les fibromes ont pris les pieds. Les fibromes ont couru au nom de Yoshua. Alléluia. Le docteur dit que, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait l'opération? Il dit que non. Le docteur est choqué. Les fibromes qui sont costauds ont disparu à cause de Yoshua Amashia, frère. La puissance de la résurrection. Non, le maître, nous sommes choqués. La Seigneur a parlé de ça ce soir. On était choqués en assemblée. On était choqués pendant les temps de prière. Là. On était choqués. Et vraiment, le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Le Seigneur agira. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vous bénisse là-bas, frère, dans la paix. C'était vraiment pour vraiment, vraiment dans la joie.